le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Pour prolonger la durée de vie de tes ampoules, on te conseille de ne jamais toucher le verre avec tes doigts ou sinon de bien les nettoyer avec de l'essuie-tout avant de les remettre. Tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi accéder aux ampoules de tes phares. Pour changer tes ampoules côté passager, nous te conseillons de retirer le conduit d'admission d'air pour faciliter ton accès. Pour remplacer les ampoules de feu de route et de position, dépose le cache obturateur en caoutchouc. Pour remplacer l'ampoule de feu de route, débranche la connectique en tirant dessus. Pour défaire l'ampoule, il faut simultanément appuyer et tirer vers la droite afin de libérer l'agrafe de l'ergot de maintien. Fais pivoter l'agrafe vers le haut, puis retire l'ampoule. Pour le remontage, le sens de l'ampoule est important. Lorsque tu l'insères, il faut la maintenir avec un doigt pendant qu'un autre va chercher l'agrafe pour le remettre en position. Rebranche la connectique. L'ampoule de feu de position se trouve au-dessus de l'ampoule de plein phare. Saisis le culot en plastique et retire-le en faisant des petits mouvements de va-et-vient. Pour extraire l'ampoule, il faut simplement tirer dessus. Remets la nouvelle dans le culot, puis insère l'ensemble dans le feu. Repose le cache obturateur. Pour accéder au feu de croisement, retire le cache obturateur côté carrosserie. Pour remplacer l'ampoule, saisis la connectique électrique et effectue une rotation dans le sens anti-horaire afin de la déclipser de son logement. Tire sur l'ampoule afin de la libérer. Rebranche la nouvelle ampoule, puis verrouille-la dans le phare en effectuant cette fois une rotation dans le sens horaire. Repose le cache obturateur. Pour remplacer l'ampoule de clignotant, retire le cache plastique en le dévissant dans le sens horaire, puis en tirant dessus. Saisis le culot orange et fais-le pivoter dans le sens anti-horaire afin d'accéder à l'ampoule. Pour retirer l'ampoule, appuie dessus et tourne-la d'un quart de tour. Effectue l'opération inverse pour le remontage. Revisse le cache obturateur. Opération terminée.